conclusion de la zone. Si je n'aime pas, vous pouvez la gagner. Tel que vous l'avez démontré. Thank you.
Surtout la personne qui m'a mis ses femmes dans le toit. J'ai dit, mais que vient faire la papille ici là? Eh bien, c'est comme si vous ayez une voiture qui venait là, les gens l'ont chassé. On a ouvert la porte là, puis j'ai dit, ah, bon, il y a mon nom aussi. Il y en a qui a 53 ans. Un demi-cercle sur ce couloir. Merci, on va s'asseoir. On va manger un peu. Ceux qui croyaient que moi j'allais mourir. Gracias.
Ouais, aussi le manger. Elle est bien. Tu peux m'aider à tenir, on va continuer. Tout d'abord, on aimerait s'excuser d'avoir gardé longtemps papa pour cette surprise que nous avons préparée. Toujours sous la fin du cordeau, il y a un petit programme qui a été établi. En ce jour spécial, votre jour à vous, et en même temps, c'est relatif de la fête de la Dieu a trouvé bon, le ciel a trouvé bon de nous donner notre papa, la fête du ciel. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. C'est pas un fait de hasard. Amen. Qu'il soit cette icône que nous aimons tant. Né en ce jour de la fête de la musique. Ce n'est pas un hasard. C'est notre David moderne. Il n'y a pas de discussion. Alors, papa, nous sommes tellement remplis de joie. Selon le programme qui a été donné ici, il y a le frère Michael qui viendra faire un petit rapport de tout ce qui se passe dans le monde à propos de ce mouvement que nous avons ici. Toutes les prédications qui seront en ligne et la réaction des gens. Et ces gens-là aussi ont voulu quand même que ça soit fait ainsi. C'est pourquoi je vais donc appeler le frère Michael en quelques mots, avant que le cordeau me vienne donner le rapport de la question. Je vous remercie. Merci frère Andy. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre cher papa. Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions et que vous donne une langue. Je veux ici présenter un petit aperçu de la gestion des données des abonnés que nous avons. Nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux deviennent un monde virtuel où les gens se créent des relations, partagent des informations et bien d'autres choses. Ce qui nous concerne, les réseaux sociaux nous permettent de nous communiquer, mais aussi de mettre en avant les activités liées aux jeux. Au début de l'état d'urgence sanitaire, alors que les lieux de culte devaient être fermés, le pasteur sous la conduite du Saint-Esprit a bien voulu continuer à prêcher afin de maintenir la spiritualité des brebis dont il a la charge. De Rouge-Gorge et Lys Taverna. Mais c'est d'aller au-delà et c'est devenu bénéfique pour tous. Amen. Comme d'aucuns subtils, Rouge-Gorge ne fait pas de petits événements. Alors, ils ont essayé de nous contacter. Je vais ici présenter les quelques moyens que nous avons utilisés au début. Et jusque-là, ce que nous utilisons. Donc, auparavant, nous avions deux groupes WhatsApp. Depuis le 27 septembre 2017, qui aujourd'hui sont pleins, donc avec 256 contacts chacun. Et aujourd'hui, nous sommes passés de 2 à 7 groupes, et qui fait donc un total de 200 contacts actifs, et qui sont permanents dans divers pays. Et des groupes qui relaient les mêmes informations que nous envoyons dans le groupe CDC, et donc il y a des abonnés qui ont à leur tour d'autres groupes. Transfère les informations, ce qui fait que nous ayons une base de données assez large. Nous avons également, au départ, un compte Facebook, c'était celui du frère F. Nous faisions le direct là. Et là-bas, le compte était plein. Donc il y avait maintenant 5000 amis. Et après, nous étions obligés d'ouvrir d'autres comptes. Nous sommes allés jusqu'à 4 comptes. Bon, après, l'idée m'est venue de faire une page où là-bas le nombre d'amis est illimité. Donc nous sommes passés de 5000 à plus de 20 000 amis sur Facebook. Et donc sur la page, nous essayons d'orienter les frères et tout ça, tous ceux qui sont intéressés à suivre les activités liées au pasteur Coco sur Facebook, ceux qui sont sur Facebook bien sûr. Il y a ceux qui n'aiment pas Facebook. Donc nous avons utilisé YouTube,
Donc, au départ, c'était la page BLTV du frère Ali Bigona, où il a plus de 7000 abonnés aujourd'hui. Et après, nous avons donc pensé ouvrir une chaîne YouTube qui porte le même nom que notre chaîne. Donc, nous avons ouvert la chaîne appelée CDC Only Popo, qui porte le même nom que les groupes aussi, le même nom que la page Facebook, pour faciliter l'augmentation des frais maintenant. Maintenant, beaucoup dans le souci d'encourager, de soutenir ou d'envoyer les requêtes, nous contactent par écrit ou par appel, se présentent, donnent le nom de leur ville, c'est la raison qui fait en sorte qu'à la fin, il y a toute une liste des villes, des pays, des frères qui nous suivent. Beaucoup se sont posé la question comment ils le font, mais c'est par ces moyens-là, par ces comptes, par WhatsApp et tout ça là, ils nous envoient ces informations. Et d'autres même le font pendant que nous sommes en direct. Et donc nous essayons, par la mesure du possible, d'essayer de répondre à ces frères. Et nous devons ici signaler aussi que parmi les abonnés qui nous suivent, nous avons un frère sourd. Et nous avons également un frère qui est aveugle. Donc l'aveugle, lui, se rend compte que de ceux qui entendent la prédication audio. Donc nous avons la prédication audio que nous envoyons sur WhatsApp pour le groupe et ceux qui relèvent l'information. Et le sourd-muet, lui, se rend compte que des images. C'est vrai qu'il ne comprend rien, mais par les signes, je crois, par le Saint-Esprit, il comprend quelque chose. Et en somme, précède, le démontre bien que ces nombres-là, c'est pour une raison belle, mais plutôt montrer combien en soi. Et nous, notre but, en tant que premier pasteur Foucault, en tant que membre de cette équipe technique, c'est de garder les enfants de Dieu dans la présence, en sa présence, et attirer ceux qui ont le cœur, ceux qui ont dans leur cœur la sémence qui vit. Et nous croyons que Dieu a répondu à notre prière qui était d'amener les âmes à Christ. Pendant cette période, nous avons vu combien ont été baptisés, combien de leur vie à Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Joseph, merci. Merci, frère Michael. Nous allons encore demander à notre papa de nous supporter un petit peu. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est la surprise que nous avons réservée. Donc il y a le frère Egg aussi qui a un petit mot de circonstance, un petit discours à faire. Nous allons sans plus tarder l'appeler. Que Dieu vous bénisse. On se dit que nous parlons du 21 juin 2020. Date qui pour certains ne signifie peut-être pas grand chose, mais pour nous, parlons du message. On est dit le rouge gauche d'Adama, la famille, tous les amoureux de la petite parole. Cette date marque le 53e anniversaire de notre chef pasteur, l'apôtre du 7e sceau, Simon du Foucault du ciel. Homme Dieu, ressemblant à un téléphone à trois cibles. Chanter, prêcher, prier pour les malades. Inépuisable consacré à son service, homme dont le nom reflète. Le poids des âmes et la responsabilité pastorale dans votre cœur n'ont pas pu être affectés par le fléau Covid-19. Accepter toutes les mesures ou faire autrement. Vous avez suivi la voie de votre cœur. Cela n'a pas été sans conséquences positives. Vous êtes resté presque l'unique dans cette ville cosmopolite à diffuser la parole via tout moyen de communication possible. Que de témoignages et d'actions de grâce récoltés tant ici qu'à travers le monde. Que vous êtes bénis. C'est le fait que mon âme est vivante. C'est aussi vrai que nous parlons de par votre apostolat. Vous êtes un adverbe qui précède le verbe. Amen. Tel que vous l'avez démontré. Il n'y a pas que des adverbes de négation, mais aussi ceux d'affirmation. C'est vous. Jusqu'où peuvent aller les fruits visibles de votre ministère? Jusqu'à la résurrection de la sœur Fabienne Mabiala. En effet,
nous aurions déjà enterré la sœur Fabienne, pleurée par ses parents et voisins, mais votre ministère sait se revêtir du surnaturel. Même moi-même, je suis un témoignage vivant. Et les autres sermons en ligne ont produit textes baptisés en 7 saisons. En la période du confinement, cela est une pêche miraculeuse. Aussi incroyable que cela peut paraître, votre temps de chant n'a pas été affecté par le fléau. Plutôt, deux clips ont été réalisés en pleine COVID-19. Nous vous acclamons. Cher pasteur Blanc, apôtre du 7e sceau, 6 secondes. Notre Michel, notre Martin, adverbe d'affirmation, Géronimo, Maman Lai, Moutouzan, le pragmatique, le pragmatique. Si que nous portons dans le rang de cœur, nous rouge-gorge par cette réponse paternité. C'est essentiel pour l'occasion de vos 53e année de naissance pour exprimer notre sincère affection envers votre personne. Votre ministère et votre talent de la musique. À nos yeux, vous valez plus le titre de pasteur. À nos yeux, vous valez plus de pasteur. Vous êtes notre Père qui vit avec nous. Puissiez-vous vivre assez longtemps pour que nos petits-enfants et nous-mêmes, nos arrière-petits-enfants pour voir. Nous ne voulons pas leur parler de vous. Parce que vous faites partie du don en maloté que Dieu a envoyé sur la terre après l'avoir aimé. Puissiez-vous vivre assez longtemps pour que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants vous voient. Nous ne voulons pas leur parler de vous. Nous voulons qu'ils vous voient eux-mêmes. Parce que vous faites partie du temps en maloté que Dieu a envoyé sur la terre après l'avoir aimé. Longue vie, l'insulté à votre ministère. Un chant votre honneur pour célébrer ce jour. Frère Alexis.
Kambo toye, koye minayo. Banda no mwana, o bate liye. Kambo toye, kota tulayo. Saint-Anne Croissant, o bate liye. Monsali na yo, niko kuri sele. Saint-Anne Croissant, Sir. Alors, nous avons prévu un petit diplôme d'excellence. Donc, à l'occasion de cet anniversaire, et ce diplôme vous sera donné par le président de donc, nous Papa invitons Rémi. Papa Rémi à s'avancer. Ah. Thank you.
C'était aussi le souhait de tous ceux qui nous suivent de partout le monde, qui sont contents de ce travail que vous abattez dans le camp. Et ils avaient souhaité aussi qu'on puisse vous offrir ce diplôme pour pouvoir faire que ce jour puisse compter et que ça reste un jour qui sera marqué. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous garde. Que vous puissiez vivre longtemps. C'est de vous dire merci beaucoup. Si je ne pourrais pas m'imaginer aussi tout cela, en un jour que Dieu vous bénisse richement. Parle. Je veux dire merci à l'équipe technique et tout, parce que pour arriver aussi à ce travail, déjà dans l'ombre, que Dieu vous bénisse richement, je mets clairement avec vous, Dieu le sait. Et je suis très content parce que. Le Covid-19 est arrivé, mais aucun de nos frères n'a été frappé par ce temps. Donc, merci beaucoup. Et à tous les frères aussi de l'Église qui pouvaient peut-être être ici, ils sont loin, de Dieu bénisse le chemin. Tout ce que moi je pouvais dire, que le cadeau d'anniversaire est venu pour nous déconfiner. Spirituellement, vous soyez déconfinés. Et Dieu vous bénisse le chemin. Thank you.
Oh,
Malgré nos différences, et même notre nana, je suis capable de chanter. La ligue yon anko, la ligue yon anko, ata yo bo yinga yon, lo bela yesu, alinga ki bison, oye ba la ligue yon anko, ata yo bo yinga yon, lo bela yesu, alinga ki bison de ko. O sali serpe da yo, kuta na internet, o lobi kai de temo, o baki singa na lola, o ke ata musika, o baki nga na lifelo, kasi na boligo na yesu, yo nanko nanko, aligi yo nanko, ata yo boi da yo, lo kukola yesu, alinga kibise de goye ba, aligi yo nanko, ata yo boi da yo, lo kukola yesu, alinga kibise de goye ba, Bon. C'est fini. Oh, Esili. Faites Esili. Yeah.